Bonsoir. On est le mercredi 3 avril 2024, au moment où je te parle. Il est aux alentours de 10h du soir. Il est tard, mais je pense que c'est un bon moment pour qu'on puisse se parler. À l'heure où tu regardes ce message, tu as 30 ans. Et je dois t'avouer que c'est à la fois un peu excitant et en même temps assez étrange. Mais il y aura toujours une partie de toi qui aura 9 ans, une partie de toi qui aura 10 ans, une partie de toi qui aura 18, 20 ans. Et ça, tu le sais. Et il y a de tes peurs aussi, de quand tu as 20 ans, quand tu avais 18 ans, quand tu avais 9 ans, qui je pense seront toujours là. Tu as peur aussi un peu de l'avenir. C'est vrai que quand tu vois l'état du monde, c'est un peu compliqué. Même si ça devait très mal se passer, et ça risque de très mal se passer en 2034, dans le sens où ça va être très dur de vivre. Il y aura toujours des raisons d'espérer. Et malgré un peu ton idée de voir tout en noir, tu as une bonne dose d'espoir en toi. Et ça je le sais. N'oublie jamais d'aimer et de vivre. De vivre, toujours vivre. Malgré tout. Je sais, aimer, c'est pas facile. Aimer, c'est pas confortable. On aimerait rester un peu dans son cocon. Ne pas prendre de risques. Mais aimer, crois-moi, c'est bien. Aimer quelqu'un, être aimé. Oui, crois-moi, quand tu auras 30 ans, tu vas être aimé. Forcément, un jour ou l'autre. Et pour ça, il faut que tu te dises qu'il faut t'aimer toi-même. Et il suffit juste de te le dire assez, car c'est la plus belle chose qui soit. Il faut s'aimer soi-même. Crois-moi, pendant ces 10 années qui sont passées, maintenant que j'ai 20 ans, je me suis rendu compte qu'on ne s'est pas assez aimé soi-même. Est-ce que tu écris encore? Là, je te pose une question à toi. Est-ce que tu écris? Est-ce que tu sais qu'écrire, ça te fait du bien? Même quand c'est pas facile. Même quand t'as un problème de la page blanche. C'est comme une ressource, comme un bol d'air. Le vent souffle, il faut tenter de vivre. Tu te rappelles de cette phrase-là? De ce que tu avais entendu? Je crois que c'est le cimetière marin de Paul Valéry. Ben voilà. Il y aura toujours des grands mouvements que tu auras du mal à comprendre. Et des fois, tu as l'impression que tu n'es seulement qu'une particule, une petite, un petit maillon dans quelque chose qui te dépasse, une poussière d'étoile. Tu es ça, mais tu as un grand pouvoir. Tu n'as qu'une vie. Et c'est tellement unique. Voilà. Je voulais te dire tout ça. Merci, cher. Merci. J'agis sans vraiment songer aux conséquences. Puis c'est souvent seul dans mon lit que j'y pense. Il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui, mais j'ai tellement hâte d'en faire aussi demain. D'après moi tout est possible, le meilleur comme le pire. Cher futur, si tu savais, j'en ai des choses à dire. J'en ai des choses à faire, j'espère qu'elles seront faites. Cher futur, je te l'avoue, parfois tu prends la tête. Souvent tu fais rêver, je cours et j'imagine la ligne d'arrivée sans pour autant vouloir y être. Cher présent, de la suite tu es le maître. Au cas où tu t'égares, je t'ai écrit cette lettre. Cher futur moi, ah ah. Cher futur moi, ah ah. Cher futur moi, ah ah.